Salut à tous, vous commencez à nous connaître sur Basket Info, on aime parler des joueurs au destin singulier. Et justement pour la vidéo d'aujourd'hui, avec John Brisker, nous vous avons trouvé une pépite. Vous ne le connaissez pas? Eh bien c'est tant mieux, nous allons nous faire un plaisir de vous expliquer un maximum de choses à son propos. Mais avant ça, alors que la saison NBA vient de commencer, ça y est, avec notre agence de voyage TripDouble, on a sorti tous nos voyages pour aller kiffer la meilleure ligue du monde. Au programme, une dizaine de voyages, dont le dernier à San Francisco qui vient juste de sortir, mais dont les places se vendent très très vite, mais aussi à New York, Los Angeles, Chicago et Miami. Pour la toute première fois, on organise un voyage sous le soleil floridien et ça va être du lourd. 7 jours sur place pour aller voir 3 affiches de l'Est du 27 février au 5 mars avec les Knicks, les Sixers et les Hawks qui seront en visite à la FTX Arena. Mais le clou de ce voyage, ce sera la possibilité de jouer sur le parquet, oui oui, un parquet NBA, une dinguerie. À New York et Los Angeles, on aura aussi la possibilité de jouer sur un parquet, alors que Milwaukee, où on ira sur le voyage à Chicago, vous pourrez repartir carrément avec un bout du filet. Puis au United Center, on shootera un lancer franc, tout comme au Chase Center de San Francisco. Ne tardez pas, il n'y aura pas de place pour tout le monde, et pour en savoir plus, rendez-vous sur tripdouble.com. Puis si vous avez déjà prévu d'aller à New York par vos propres moyens, sachez qu'on peut vous proposer certains matchs des Knicks avec une fan expérience. Par exemple, si vous avez prévu d'aller au Madison Square Garden pour voir les Knicks, si vous prenez un billet en passant par nous, vous pourrez soit assister à l'échauffement des joueurs sur les premiers rangs avant l'ouverture du public, ou alors encore plus dingue, tenter un lancer franc après le match. Pour ça, rendez-vous sur tripdouble.com ou en envoyant un email à contact@tripdouble.com. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 70, Brisker était un joueur assez fabuleux en ABA. Deux fois All-Star, il évoluait au poste d'ailier et avec ses 26 points de moyenne par match, il était le gars par qui tout le jeu passait dans son équipe des Pittsburgh Condors. Ayant grandi dans la banlieue de Détroit, il s'est vite mis au basket, sur les playgrounds des environs. Selon son entourage, sa devise était simple, le mec répétait tout simplement qu'à Motor City, si vous jouiez assez dur dans la rue, il rebaptiserait un playground à votre nom. De ce qu'il se raconte, pendant son adolescence, c'était son objectif à Brisker, et déjà dans ce contexte, il s'est construit un tempérament dur. De plus, avec une mère qui, suite à un AVC, s'est retrouvée hémiplégique, Brisker n'a jamais eu la vie simple, et ça aussi, ça l'a poussé à mûrir vite et à se débrouiller seul. Le basket lui a en tout cas rapidement permis de faire des rencontres, comme Spencer Haywood et Rudy Tomjanovic, qui eux aussi sont issus du Michigan et ont fini en NBA. Brisker, lui, était un peu considéré comme l'excentrique de la bande, même si Spencer Haywood, on lui a déjà consacré une vidéo, était également un phénomène dans son genre. Mais pour revenir à Brisker, il était cultivé, passionné de jazz, et se considérait lui-même comme un artiste, ce qui apparemment lui valait d'attirer constamment tous les regards de la gente féminine. Son côté sportif, son physique taillé et son talent pour le basket amplifiaient d'ailleurs encore plus ce trait. Mais le souci, c'est que tout le monde le disait, au fond de lui, Brisker avait une agressivité que parfois il n'arrivait pas à maîtriser, et c'est bien ça qui lui a valu des soucis par la suite. John était comme LeBron James sur le terrain. Il avait autant de qualités, mais LeBron James avec une immense colère en lui. Vous allez dire que j'en fais trop, mais c'est révélateur, il était comme ça. Et à l'époque, le basket n'était pas prêt pour ce genre de personnalité. Son talent en ABA lui a quand même vite valu de trouver une place en NBA, au Seattle Supersonics, franchise au sein de laquelle, dès l'issue de sa première saison, il put signer le gros contrat qu'il réclamait, 1 million de dollars pour 6 ans. Pourtant, Walter Kennedy, qui était le commish à l'époque et qui n'en pouvait plus d'entendre parler du joueur, avait déconseillé à la franchise, fortement même, de faire un tel move, mais ce fut peine perdue. L'équipe du Nord-Ouest des États-Unis croyait en son talent et espérait que l'arrivée d'un coach charismatique comme Bill Russell, qui venait de signer, pourrait lui permettre de se calmer suffisamment. Mais vous vous en doutez, si on en parle aujourd'hui, c'est que ce ne fut pas le cas. Et oui, la relation entre les deux hommes ne se déroula pas aussi bien que ce que l'on aurait pu l'espérer, au contraire même, on va en parler. C'est dommage, car mine de rien, l'ailier était capable d'être solide et de tourner facilement à 12 ou 13 points de moyenne par match en sortant du banc. Ouais, de toute évidence pour le scoring, le gars avait un don. Lui qui avec Seattle est même allé jusqu'à planter 47 points en 1974 lors d'un match face aux Kings. Tout ça c'est bien, mais son caractère totalement imprévisible ne permettait absolument pas à Bill Russell d'être certain de pouvoir compter sur lui de façon durable. C'est bien de là qu'est venu le couac. En fait, ce qui a entaché la relation entre les deux hommes, c'est que Brisker, toute sa vie, partout où il était passé jusque-là, avait limite été considéré comme un dieu vivant. Son talent immense pour le basket et son côté artiste faisaient que tout le monde était prêt à lui pardonner toutes ses frasques. D'accord, ça s'entend, mais pour Bill Russell, qui en avait vu d'autres des joueurs de talent durant sa longue carrière, il en fallait beaucoup plus pour être convaincu. Oui, à travers les années, l'ancien pivot aux 11 bagues a bien compris que pour gagner, il fallait le faire en équipe, et non pas individuellement, ce que selon Russell, Brisker ne savait absolument pas faire.
Voilà pourquoi, aux plus grandes dames du joueur, ce dernier a passé beaucoup de temps sur le banc, ne jouant en moyenne que 20 minutes par rencontre lors de son passage en NBA, ce qui était bien inférieur aux 42 qu'il avait passé en moyenne lors de sa dernière saison en NBA. Et ça, vu l'ego des deux bonhommes, ça a créé un réel fossé entre eux, sûrement bien plus profond que tout ce que vous pouvez imaginer. Déjà, à peine quelques semaines après la signature de son nouveau contrat, lors du training camp, la tension est sérieusement montée entre John Brisker et l'un de ses coéquipiers, Joby Wright. Là, il existe plusieurs versions de l'histoire, certains affirmant que c'était Wright qui avait mis le premier coup, alors que d'autres sont persuadés qu'il s'agissait de Brisker. Peu importe ce que l'on sait, c'est que ce fameux Joby, 2m06, suite à une lutte au rebond un peu trop physique et une dispute qui a suivi, a fini dans les vapes avec la mâchoire fracturée et 4 dents cassées. Son coéquipier de l'époque, Slick Watts, nous raconte. Il a heurté le sol comme un sac de patates, et Brisker, lui, a fait calmement demi-tour. Les dents de Wright traînaient sur le sol. L'ambiance dans le gymnase ressemblait à des funérailles. Une ambulance est arrivée et Russell, qui venait de prendre ses fonctions, a dit à tout le monde de rentrer chez lui. L'entraînement était terminé et là, on se disait qu'il était clairement temps de calmer un peu John. Spencer Haywood, le pote d'enfance de Brisker, qui lui aussi jouait au Sonics, mais aussi Jim Brown, un joueur de NFL de Seattle, tentèrent alors de driver le trublion et de le mentorer, notamment en jouant aux échecs avec lui. Mais rien à faire, si pendant de longs jours il pouvait se comporter en bon garçon, sa violence finissait toujours par ressurgir. Slick Watts, d'ailleurs, a lui aussi pu faire face au tempérament de feu de son coéquipier, lui qui, après avoir posé un contre sur Brisker et l'avoir regardé dans les yeux, s'est ramassé une grosse gifle instantanément. Néanmoins, le meneur, lui, ne l'a pas pris contre lui, n'a pas cherché à se venger et est passé à autre chose, gagnant alors le respect de son coéquipier, dont il est probablement devenu avec le temps l'ami le plus proche. Mais revenons à Bill Russell, et dites-vous que les tensions étaient tellement fortes entre les deux hommes que pendant la saison 1973-1974, le coach a même envoyé son joueur vers l'Eastern League, en championnat mineur. Ça, Brisker l'a vécu comme une réelle humiliation, et tout de suite, il a voulu montrer à son coach qu'il se trompait. Là-bas, lors des deux matchs qu'il a joué, l'ailier a scoré 51, puis 58 points. C'est lourd, mais ça n'a pas suffi pour convaincre Russell, qui lui, voulait voir autre chose que du scoring à tout va. Ça, Brisker ne l'a apparemment jamais vraiment compris. Après, le message paraissait tout de même avoir été passé, au moins un minimum après cette mise à l'écart, et le joueur, qui venait d'être papa pour la première fois, semblait prêt, au moins dans son discours, à se remettre en question. Je sais que maintenant je dois mûrir. Mon attitude a toujours été au centre des attentions et toute ma vie a été construite autour de ça. J'ai toujours eu un sentiment de revanche, comme si c'était moi tout seul contre le monde entier. Ça m'a donné une mauvaise réputation et maintenant je dois laisser ça derrière moi. Ok, sauf que malgré toutes ses promesses, Russell n'était toujours pas satisfait. À la suite du training camp en 1974, la saison suivante, il est passé à deux doigts d'être coupé, avant de rester cloué au banc pendant de longues semaines sans jouer. Pour Brisker, c'en était trop, ses efforts n'étaient pas récompensés, et avec le coach, c'était devenu personnel. Selon ses mots, ce dernier voulait juste salir sa réputation. La franchise aurait d'ailleurs tenté de le transférer à ce moment-là, mais jamais elle n'a trouvé preneur. La situation s'enquistait, et la cocotte minute paraissait prête à exploser. Bah ouais, vous l'avez compris, les prises de bec entre les deux hommes étaient encore courantes, mais jamais elles n'ont atteint le niveau affiché ce soir du 31 janvier 1975. Ce jour-là, dans la rencontre face aux Blazers, l'ailier a pourtant joué, pour une fois, 33 minutes même, et ce temps sur le parquet, il en a bien profité. 28 points pour lui, soit son meilleur total de la saison, et surtout d'énormes shoots qui ont permis aux Sonics de remonter un large déficit pour finalement s'imposer de 3 petits points à l'issue du dernier quart. Là, la logique aurait voulu que l'ambiance soit à la fête, que les hommes se réconcilient, se prennent dans leurs bras, et que Brisker retrouve son temps de jeu. Mais en fait, pas du tout, bien au contraire, ce qui se passa ensuite dans le vestiaire des Sonics fut juste cauchemardesque. Toutes ces semaines, voire ces mois de tension entre le coach et le joueur explosèrent complètement, d'un coup, à l'issue de cette performance. Ouais, à la fin du match, sans rien dire, Brisker est allé s'asseoir sur le banc, dans le vestiaire, et a scruté Russell avec le regard noir que ses coéquipiers ne connaissent que trop bien. On était tous effrayés, mais nous savions que ce n'était pas à nous qu'il en voulait. Il voulait se faire le coach. J'ai cru qu'il allait le tuer. Vous pouviez lire la fureur dans ses yeux et il était prêt à attaquer. La suite, on ne la connaît pas vraiment, et seuls ceux qui étaient présents dans le locker room en maîtrisent les détails. Mais ce que l'on sait, c'est que le ton est monté, sévèrement même. Suite à cet incident, la tension est devenue telle dans le vestiaire qu'à peine deux semaines après, John Brisker fut exclu de l'équipe, et ne remit jamais plus un pied en NBA. Là déjà, on commence à imaginer à quel point Brisker était un homme difficile à gérer, et pourquoi le courant avait du mal à passer avec Bill Russell. Et de ce que l'on peut lire des témoignages de l'époque, le soir de la fameuse dispute entre les deux hommes, malgré la victoire, Brisker a franchi une limite qu'il ne fallait pas dépasser. On n'ose même pas imaginer ce qui a eu lieu derrière la porte verrouillée de ce vestiaire, mais au vu des différents discours des personnes présentes, c'est allé très très loin. Ça, les conséquences nous le prouvent, à tel point que, comme on l'a dit, l'incident a fini par mettre un point final à la carrière du joueur, qui désormais devait trouver un autre moyen de se reconvertir. Mais tout ça, est-ce que ça aurait pu être anticipé? Eh bien la réponse est oui, car depuis la NBA, son tempérament de feu à Brisker, on le connaissait, lui qui à l'époque avait pété un plomb sur le terrain qui limite aurait pu faire passer Isaiah Stewart pour un enfant de cœur. On vous raconte, après un coup de coude placé en plein visage de son adversaire Art Baker, il fut exclu de la rencontre,
contre, qui n'avait même pas commencé depuis 2 minutes. Mais vous pensez qu'après ça, il a rejoint tranquillement le vestiaire? Pas du tout. À 3 reprises, il a essayé de re-rentrer sur le parquet, en chargeant Baker, avec la ferme intention d'en découdre face à une sécurité impuissante. Si bien que la police a dû intervenir pour l'escorter et le menotter hors de la salle. Et ça, ce ne fut pas un incident isolé, sa réputation le suivait absolument partout. Un jour, lors d'un match à Salt Lake City, l'équipe locale décida de l'intimider, en mettant tout un paquet de boxeurs professionnels derrière le banc au premier rang. Brisker ne s'est pas démonté et s'est ramené au shooter hand en faisant tournoyer un gun entre ses mains. Une autre époque décidément et une folie difficile à contenir. Certains coachs adverses comme Tom Nissalk, qui ensuite a retrouvé Brisker au Sonics, promettaient même des primes à leurs joueurs, $500 à qui voudrait bien lui démolir la face. Mais l'ailier faisait tellement peur que même pour du fric, personne ne voulait se frotter à lui. Il intimidait absolument tout le monde. Tout ça en plus se répercutait en dehors du terrain également, et une fois, à l'issue d'un match des World Series en baseball à Pittsburgh, il s'est embrouillé avec un gars pour une histoire de taxi dans lequel il devait monter, jusqu'à ce que la maréchaussée intervienne. Il fut directement embarqué au poste, mais sachez tout de même que 2 flics ont fini à l'hôpital. Un phénomène ce John Brisker. Très vite, on lui attribue le surnom de champion du monde des poids lourds de la ABA, au vu du nombre de fois où il envoie des coups et se retrouve impliqué dans des bastons. Là encore, Charlie Williams, un coéquipier de l'époque ABA, confirme. C'est un excellent joueur, mais si vous disiez quelque chose qui ne lui plaisait pas, ça donne l'impression qu'il pouvait aller vers son sac pour en sortir un flingue et vous tirer dessus. Comme quoi, sa réputation de bad boy n'était pas inconnue quand les Sonics l'ont signé, et oui, les dramas qui sont arrivés, ils auraient pu les prévoir. Néanmoins, à leur décharge, au moins sur le terrain pendant les matchs avec ses coéquipiers, Brisker était loyal, et ça c'était un bon point pour lui, qui jamais n'hésitait à aller au charbon pour défendre ses potes lorsque les matchs devenaient trop physiques. Tom Burleson garde ainsi un très très bon souvenir de lui. À chaque fois que je m'embrouillais, il venait à mon secours. Même sans le voir, je sentais dans mon dos qu'il arrivait parce que les gars qui m'en voulaient commençaient à se calmer et à reculer. Vous pouviez alors voir leurs yeux s'élargir à cause de la crainte que Brisker a provoquée. Il m'a sûrement empêché plusieurs fois de me retrouver avec des dents en moins ou un nez cassé. Ok, Brisker donc, au milieu de toutes ses failles, avait aussi des bons côtés. Sauf que ça n'a pas suffi pour lui, pour aller jusqu'au bout de ses 6 ans de contrat. Et c'est bien pour ça qu'en 1975, la NBA et John Brisker s'étaient terminés pour de bon. Et c'est justement à partir de ce moment que l'histoire de l'ailier prend des allures de scénario hollywoodien. Spencer Haywood raconte qu'en 1976, son ancien pote avait définitivement pris ses distances vis-à-vis du basket. Et ce qu'il passionnait, c'était sa propre histoire, celle de ses ancêtres, et tout ce qui pouvait avoir lieu en Afrique à une époque où l'instabilité politique régnait. Apparemment, l'ancien joueur évoquait de plus en plus souvent son désir de s'impliquer là-bas, afin de se battre pour des causes qu'il animait. Mais Haywood le vit vite, son pote, au fond de lui, gardait beaucoup d'aigreur, notamment envers Russell, et tout de suite, il se rendit compte qu'il y avait quelque chose de malsain là-dedans. Brisker semblait de plus en plus s'impliquer dans des bails très sombres, et voyageait de plus en plus souvent en Afrique avec un objectif plutôt flou. Je lui disais qu'il n'avait pas besoin de retourner là-bas, il n'avait pas l'air bien dans sa tête. Je lui expliquais qu'il avait des soucis d'agressivité à résoudre, que le problème ce n'était pas Bill Russell, mais lui. Puis il m'a montré une photo de lui avec le dictateur ougandais de l'époque, Idi Amin, même si je ne suis pas tout à fait certain que c'était lui. J'ai alors essayé de lui prendre son passeport, mais je n'ai pas réussi. C'était en 1977 et je ne l'ai jamais revu après ça. Son ancienne femme, la mère de sa première fille, elle, demande le divorce en 1977 suite à des violences conjugales. Il l'aurait plusieurs fois étranglée, battue et lui aurait mis des coups jusqu'à la laisser sourde de l'oreille droite. Tout ça confirme ce que disait Haywood, il avait un réel souci d'agressivité à résoudre, encore. Là on arrive en 1978 et officiellement, alors qu'il devient papa pour la 2e fois, avec une nouvelle femme, Brisker semble vouloir se ranger. Il tente de se reconvertir, notamment professionnellement, en ouvrant une entreprise d'import-export, mais quelque chose met la puce à l'oreille de son entourage. Tous les fournisseurs de Brisker se situent en Afrique, et ça, ça lui donne une bonne raison de continuer à faire ses fameux voyages qui lui tenaient tant à cœur. C'est ainsi que lors d'une virée de l'autre côté de l'Atlantique, au mois d'avril, soit à peine 2 mois après la naissance de sa 2e fille, à son arrivée, Brisker appelle sa compagne pour lui dire que le vol s'est bien passé. Jusque-là, rien à signaler, sauf que ça, ce furent les dernières nouvelles que qui que ce soit ait pu avoir de l'ancien joueur des Sonics. Alors que s'est-il réellement passé? Difficile à dire, mais vous vous imaginez bien que certains ont mené l'enquête, ce qui a fait naître bon nombre de récits incroyables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ouganda, suite à un coup d'état, la guerre civile prenait depuis déjà près de 7 ans des proportions dramatiques. Selon Tom Burleson, Brisker, comme Spencer Haywood le suspectait, serait allé là-bas en tant que mercenaire, au service du général Idi Amin, qui en 1971 s'était emparé du pouvoir. Mais le problème, c'est que encore une fois, son caractère lui aurait joué des tours, et à nouveau, ça a dégénéré, dans des conditions bien plus dramatiques. De ce qu'il se dit, il était assis à la table du dictateur, et une dispute aurait éclaté. Brisker ne voulait pas lâcher le morceau à propos de son désaccord et insister sur son point de vue. Il a alors pété un plomb comme il sait le faire, et vous le savez, dans ces pays, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de respect au roi. Apparemment, le gars avait déjà son flingue prêt à tirer, il a dégainé et pan.
Il a abattu Brisker. C'est en tout cas ce que raconte la légende. Toutes ces infos, elles sont sorties dans un article de l'Associated Press de 1980. Du coup, ça pourrait paraître sérieux. Sauf que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait rien précisément. Et ces éléments sont évidemment à prendre avec de grosses pincettes. Le FBI se serait même intéressé à son cas. Et c'est de là que les détails racontés par Watts auraient fuité. Mais jusque-là, rien d'officiel non plus. Personne ne peut réellement confirmer que Brisker est vraiment allé en Afrique en 1978. Encore moins en Ouganda. Et personne non plus ne peut même conclure qu'il est décédé. Même si plus personne n'a jamais entendu parler de lui depuis. Souvent, dans les moments de ma vie où je me ressource, que je repense à mon passé ou à mes coéquipiers, je pense à lui, et je me demande si John est vraiment mort. Ce qu'il faut savoir pour être complet, c'est que son frère Ralph nie tout ça en bloc, affirmant même que non, son frère n'est jamais allé en Ouganda, et que c'est au Nigeria qu'il a acheté des terres en 1975. Comme quoi, oui, beaucoup de choses sont floues. Aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que personne n'a plus de nouvelles de John Brisker, qui derrière lui a laissé deux filles, sa maison, 29 000 $ dans son compte en banque et plusieurs procès. Spencer Haywood, lui, possède toujours la batterie de son ex-coéquipier à son domicile, en souvenir de son ancien pote. Cependant, même si tous ceux qui l'ont côtoyé arrivent à garder de bons souvenirs de lui, et même si on n'en doute pas, ce John Brisker avait aussi de bons côtés, il avait au fond de lui de puissants démons. Visiblement, ce sont eux qui ont fini par prendre le dessus et l'ont conduit vers sa perte. Quoi qu'il en soit, il apparaît peu probable qu'un jour nous apprenions la vérité quant aux détails de sa disparition, mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire peu connue, même mystérieuse, méritait bien d'être racontée ici. Finissons en précisant qu'en 1985, la loi a décidé de considérer John Brisker comme mort en l'absence de nouvelles, mais ça réellement, personne n'en a la preuve, vous l'avez compris, même s'il paraît quand même peu probable de l'imaginer refaire surface un jour. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux. We'll be right back.